Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 5 mai, cinquième dimanche après Pâques. Trois séquences dans notre émission. Tout d'abord, Jeanne Smits, qui est journaliste, viendra nous parler d'une déclaration récente du dicastère pour la doctrine de la foi, intitulée Dignitas infinita, la dignité infinie de la personne humaine. Ensuite, nous recevrons Béatrice Gindre, qui est à l'origine d'un Son et Lumière qui se déroule début août à Airvault, dans les Deux-Sèvres, intitulé Les Nuits d'Aldéarde. Et enfin, François-Régis Legrier, qui est l'auteur d'un livre sur la guerre juste et qui interviendra dans le cadre de la prochaine université d'été de Renaissance catholique sur christianisme et géopolitique, et lui-même interviendra sur le sujet de savoir si la guerre moderne change les conditions d'exercice de la guerre juste. Bonjour Jeanne Smits. Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Le 7 avril dernier, le dicastère pour la doctrine de la foi a publié une instruction Dignitas infinita. Alors, quel est le contenu de cette déclaration? Alors, c'est une très longue déclaration. Elle a été en gestation pendant quelques 5 ans. Elle a fait des tas d'allers-retours devant des diverses commissions. Elle a abouti entre les mains du cardinal Victor Manuel dit Tucho Fernandez, qui est un grand ami du pape. Elle parle donc de la dignité humaine, enfin de la manière dont il faut considérer l'être humain et le traiter, et cela aboutit à une condamnation de toute une série de pratiques qui vont de l'avortement et de la gestation pour autrui, par exemple, à l'esclavage, et aussi à des pratiques comme la peine de mort. Donc quelque chose d'extrêmement large qui a été conçu, je pense, principalement dans la suite de Vatican II, qui est venu en quelque sorte refonder la manière dont le catholique est invité, et le monde entier d'ailleurs est invité à voir l'homme. Alors pourquoi cette déclaration et pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Alors j'ai ma petite théorie là-dessus. Je pense qu'il y a eu énormément de déclarations très modernes. Il y a eu le synode sur la synodalité et puis toute la série de synodes dont on nous a abreuvé sur la famille, sur l'Amazonie, les jeunes, etc. Et je pense que ça a été une manière de vouloir donner quelque chose de plus classique. Seulement... pourquoi à ce moment-là? Il me semble aussi, et en même temps, que c'est un aboutissement de la pensée du pape, puisque Tucho Fernandez et le pape François sont très proches. Je pense qu'ils ont voulu mettre en place une conception renouvelée de l'homme et de sa dignité qui corresponde à véritablement la pensée du pape François. Une pensée qui s'ancre très clairement, et peut-être plus que celle de ses prédécesseurs immédiats, dans le Concile Vatican II, et qui a une vision de la nature humaine qui est, je dirais, d'un optimisme très XXe siècle. Alors justement, à propos de cette nature humaine, beaucoup ont relevé l'expression « infinie dignité » à propos de la personne humaine. Donc cette expression est-elle traditionnelle, et quelle remarque peut appeler ce qualificatif d'infini lié à la dignité de la personne humaine? Dignité infinie, si on me pose la question à brûle-pourpoint, simple laïque et journaliste, je réponds, il n'y a d'infini que Dieu. Et c'est d'ailleurs la position de l'Église de façon classique. Pourquoi parle-t-on de la dignité infinie de l'homme? En l'occurrence, on fait référence à un texte, à une allocution de Jean-Paul II, qui est citée, dont sont cités seulement ces deux mots, infinie dignité. Il l'a employé, en effet, et je crois que c'est la première fois qu'un pape l'a fait. Il l'a fait en parlant de la manière dont il faut traiter les enfants et les personnes handicapées, les personnes qui sont le rebut de notre société via l'avortement et le reste. Et il dit, ces personnes ont une infinie dignité comme créature de Dieu, comme âme humaine. Et aussitôt, ce que la déclaration Dignitas Infinita ne dit pas, il détaille toutes les manières dont l'homme peut déchoir de sa dignité. Alors il est question de ça aussi dans la déclaration du dicaster, il est question en passant, une fois on parle du péché, mais pour la dignité de l'homme, la déclaration actuelle va passer totalement à côté de la perte de la dignité morale. Et là je crois qu'il y a une rupture très nette avec la tradition, et j'ai pu citer dans un article que j'ai fait dans une petite série sur Réinformation TV, ce qu'avait dit l'abbé Victor Berthaud, qui était l'expert de Monseigneur Lefebvre au Concile, comme tout le monde le sait. Et lui, il dit « La dignité humaine adéquatement considérée exige que l'on tienne compte de ses actes. L'ignorant et l'homme cultivé n'ont pas la dignité. » On comprend le processus, qu'on soit pécheur ou non, qu'on soit saint ou damné, on n'a pas la même dignité. On a une dignité qui était d'être à l'image de Dieu, ce que le document appelle la dignité ontologique, mais on a aussi une dignité morale dont on peut déchoir parce qu'on n'est plus à la ressemblance de Dieu. Le problème, c'est que cette dignité morale, nous l'avons perdue en tant qu'humanité dès la faute originelle. Or, la faute originelle, l'enfer, tout cela est totalement absent du document. Donc, on a quelque chose qui est bancal. Alors, on peut compléter ce que vous dites. Voilà, sous cet aspect, Arnaud Beltrame, il est plus digne que Michel Fourniret. On peut le dire, et sans avoir même peur de se faire taxer de discrimination. Choquer, personne. Alors, quel a été l'accueil fait à ce texte? Très divers, extrêmement divers. Alors, ce qu'il y a de drôle, finalement, c'est qu'on voit bien qu'il y a une confusion dans ce document. Le site que je n'aime pas beaucoup par ailleurs, qui s'appelle Novus Ordo Watch, qui est un site, c'est des vacantistes, assez méchants, il a détaillé toutes les réactions diverses qu'il a pu y avoir dans tous les secteurs de l'Église. Les plus traditionnels, parmi les plus traditionnels, un Roberto de Mattei a accueilli ce document avec beaucoup de joie. D'autres ont été beaucoup plus circonspects. Moi, on me dit que je le taille en pièces. Oui, j'ai essayé de le tailler un peu en pièces, justement, parce qu'il y a dans ce document une espèce de culte de l'homme. Il n'y a pas la reconnaissance que la grande dignité de l'homme, c'est la dignité du baptisé. Le baptisé qui a en son cœur l'inhabitation de la Sainte Trinité à partir du moment où il est en état de grâce. Donc dès le baptême, c'est par là qu'il devient enfant de Dieu, et tant qu'il ne perd pas cette grâce sanctifiante qui fait de l'homme, effectivement, une créature dépositaire d'une dignité qu'on ne peut pas exactement appeler infinie, mais qui lui est donnée par Dieu et qui le place au-dessus de toute autre créature, hormis les anges, bien sûr. Et là, on a, au contraire, à plusieurs reprises, dans ce document Dignitas infinita, l'affirmation que l'homme est digne par sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il est digne parce qu'il est racheté par le Christ, non pas le baptisé, mais tout homme. Alors, on comprend qu'on peut discuter là-dessus, le rachat par le Christ, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, certes, mais il y a une espèce d'évacuation de la nécessité de la grâce qui me fait dire que c'est un document profondément naturaliste. Alors, est-ce que ce document aura une conséquence sur l'enseignement dans les séminaires, sur les prédications, sur le vote des élus catholiques? Et en particulier, qu'est-il prévu pour les catholiques engagés en politique qui ne respecteraient pas, par leur vote, la dignité de la personne humaine en apportant leur soutien à des projets sur la GPA, l'euthanasie, le suicide assisté, l'avortement, etc. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à ces braves gens? Je vous réponds d'abord à la dernière question. Il n'arrive rien du tout. Il n'arrive rien du tout. Il n'y a pas de sanctions prévues. Et pour ce qui est de l'enseignement de l'Église, oui, il va changer. Il devrait changer, puisque ce document a notamment pour volonté de mettre sur le même plan l'avortement, le mauvais traitement des migrants, l'esclavage. Enfin, tout est dans un grand méli-mélo. Alors certes, l'avortement est très courageusement, oui, on peut le dire, proscrit et de manière correcte, en faisant appel au droit de Dieu. Mais dans l'ensemble, il est véritablement question essentiellement des droits de l'homme, et notamment de la déclaration de 1946, dont on sait, et dont Jean Madiran a écrit, et si les spectateurs sont intéressés, je l'ai écrit dans mon papier sur Réinformation, il y a une espèce de glorification des droits de l'homme sans Dieu. Dieu est très peu nommé dans ce document. Il est très peu présent comme source et fondement du droit. L'homme devient le fondement de ses propres droits, de sa propre liberté religieuse par conséquent. Et par conséquent, tout en gros lui est permis. Et il ne faut jamais le condamner tout à fait. Or, que fait la peine de mort? Elle condamne la vie humaine dans sa matérialité. Que fait la peine de l'enfer? Elle le condamne Malheureusement, pour l'éternité, s'il n'est pas conforme à la volonté de Dieu, la question a été posée par ma consoeur Diane Montagne lors de la conférence de presse. Elle a dit, mais et l'enfer dans tout ça? Et la réponse du cardinal Fernandez a été de dire finalement... le pape se pose bien souvent la question, l'enfer ne serait-il quelqu'un dedans? Ne serait-il pas vide? Et c'est ça le danger de ce document, me semble-t-il. Merci beaucoup de ces éclairages. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Jean-Pierre. Bonjour, Béatrice Gindre. Vous êtes à l'origine des Nuits d'Aldéarde qui vont se dérouler à Orvault les 2, 3, 9 et 10 août prochains. Alors, quelles sont les origines et l'objectif de cette manifestation? Alors d'abord, excusez-moi Jean-Pierre, c'est Airvault, A-U-R, voilà, eh oui. V-A-U-L-T, dans les Deux-Sèvres. C'est donc un village d'environ 3000 habitants, dans les Deux-Sèvres. Alors l'origine, c'est d'abord notre attachement à cette région et à son riche patrimoine architectural médiéval. Donc ça, c'est vraiment, on est très attaché à cette région. Et on trouvait, la famille trouvait que c'était pas tellement mis en valeur. Et il se trouve qu'un de nos fils a participé à un son et lumière à Vouvant, près de la forêt de Mervent. C'est où ça, Vouvant? C'est la Vendée. D'accord. C'est la Vendée. Et avec des amis. Et on s'est dit, mais en fait, peut-être qu'on pourrait faire le même genre de choses. Parce que nous, on voyait que le Puy du Fou, on se disait que c'était impossible. Et là, ça nous a paru à notre portée. Donc, on s'est dit, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc, il y a 2 ans, on a commencé à s'intéresser, à creuser l'histoire, etc. Et on a mis en place un son et lumière, un scénario à plusieurs. Et surtout, on trouvait que cette région est absolument méconnue. Quand on dit Deux-Sèvres, dites Deux-Sèvres à vos amis, ils vont vous dire... Ah, c'est où? Voilà, donc c'est très dommage, parce que c'est une région qui est... Ségolène Royal qui est de Deux-Sèvres. Voilà, c'est la seule chose qu'on connaît, et quelquefois les fromages de chèvre, de Saint-Loup-sur-Toué. Mais c'est dommage, parce qu'il y a un très très riche patrimoine médiéval, donc c'est... Et puis en plus on est tranquille, il n'y a personne, donc on peut visiter ça tranquillement, enfin il fait toujours très beau parce qu'on est Sud-Loire, donc voilà, il y a plein de choses, et on trouvait que le village, ben, surtout après le Covid, les liens entre les gens étaient un peu distendus. Donc, il y a plusieurs buts donc, à cette initiative. D'abord, c'est la transmission de l'histoire, de nos racines, voilà, de notre civilisation chrétienne. Le deuxième objectif, eh bien, c'est faire un lien entre toutes les personnes du village, quel que soit leur bord, voilà, qui ont envie de travailler à la mise en valeur du patrimoine. Et voilà, cette transmission aussi donc aux plus jeunes, puisque moi je suis prof, ça me tient à cœur, et donc voilà, ce sont les objectifs principaux. Alors, en quoi est-ce que cela consiste concrètement? Il se passe quoi? Plein de choses féeriques. Dernier article que nous avons eu dans la presse qui nous a fait très plaisir, la féerie des Nuits d'Aldéarde. J'aurais même pas osé le dire. Mais voilà, donc en fait il s'agit d'une promenade nocturne dans l'histoire en fait. Donc ça dure à peu près 1h30, donc on est obligé d'attendre la tombée de la nuit puisque c'est au mois d'août. Et en fait le groupe des visiteurs, après s'être restauré, hein, comme tout bon français, sur une jolie place où il y a de quoi manger, de quoi boire, dépenser son argent, eh bien, nous passons une porte mystérieuse, blanche, avant de rentrer dans l'histoire. Et là, nous allons devant un premier monument emblématique d'Airvault, qui est une partie de l'abbaye, puisque l'abbaye a été détruite à la Révolution, comme il se doit. Il reste le cuvier, qui est quand même un très très beau bâtiment. Et devant ce cuvier, il y a, nous évoquons, la fondation d'Airvault par Aldéarde d'Aulnay, vicomtesse de Thouars au XIe siècle. Elle a fondé en fait l'abbaye d'Airvault et il y a des chanoines de Saint-Augustin qui sont venus s'installer très rapidement. Ces chanoines ont été réformés par Pierre de Sainte-Fontaine et ça a duré jusqu'à la Révolution. Mais bon, nous évoquons plutôt, bon, bien sûr ce fondement historique, mais aussi la légende qui s'y attache parce qu'il y a du rêve, rêves, il y a du merveilleux, et voilà. Donc, c'est première partie. Après, les visiteurs sont entraînés avec notre, notre pèlerin de Compostelle qui mène cette visite, Aldaric, qui est un de nos figurants, à travers les petites ruelles d'Airvault, qui sont très très jolies. Nous traversons l'église, là, il y a une très belle scène statique, voilà, qui est vraiment magnifique, qui touche tous les sens, que ce soit olfactif, la vue, le son, voilà, c'est une très belle scène. Et on ressort, et là, devant l'église, donc sur la place de l'église Saint-Pierre, une magnifique église qui date du XIe siècle, qui a été après modifiée, XIIe, XIIIe, mais enfin, qui est vraiment une abbatiale, hein. Et devant l'église, qui a un narthex aussi assez exceptionnel en Poitou, nous faisons le portrait de plusieurs figures bien connues du Poitou, Radgond, Théophane Vénard, etc. Et après, Aldaric emmène encore le groupe de visiteurs à travers les petites rues, un peu sombres, un peu mystérieuses. Et là, nous pouvons rentrer au château, qui est une propriété privée. Et le château qui date aussi du XIe siècle, qui a une enceinte assez étonnante, et des bâtiments à l'intérieur qui sont plutôt XVe, XVIe. Et là, il y a la dernière scène. Catherine de Médicis, après la première guerre de religion, décide, voyant que ça tourne un petit peu mal pour le pouvoir royal, décide de faire faire un tour de France à son fils, avec toute une suite. Et une suite de 10 000 personnes. Moi, c'est en cherchant des événements d'Airvault que j'ai découvert tout ça. Ils ont fait ce tour de France pendant 2 ans. Et heureusement, ils sont passés à Airvault. Donc, nous évoquons le passage de Charles IX à Airvault. Avec 10 000 figurants. Ah, hélas, non, on vous attend, Jean-Pierre, pour les compléter. Mais voilà, on évoque ce passage de Charles IX à Airvault, qui a été reçu par le propriétaire du château à l'époque, qui s'appelait Jean Isoré. Et donc, on fait un festin qui est très heureux, très joyeux. Et donc, le son et lumière se termine sur cet événement. Alors, quel est l'accueil du public et de la population locale à cet événement ? Alors, l'accueil du public, bah, c'est pas difficile, c'est les chiffres. L'année dernière, le maire m'a demandé combien de personnes pensez-vous avoir ? Moi, je ne savais pas du tout. Je lui dis, bah, on sera content s'il y a 150 personnes par soir. Bon, il s'est retrouvé que sur 4 soirs, on a eu 1800 personnes. Donc, vraiment, on a eu beaucoup de succès. Le bouche à oreille a marché. Et là, je viens de refaire un tour pour chercher des sponsors. Et les gens que je rencontre me disent, oh, c'était merveilleux. Donc, voilà, c'est très satisfaisant parce qu'on voit que les gens ont été comblés quelque part. Et du côté des bénévoles, ça a bien marché aussi, on avait à peu près 70 bénévoles, mais bon, un tel spectacle demande beaucoup de monde, si on veut que ce soit bien. Et ce qui est le plus touchant, ce sont les bénévoles qui vous disent, avec les larmes aux yeux, vous savez, on a appris quelque chose, on ne savait pas tout ce que vous nous racontez, c'est vraiment bien chez nous. Donc voilà, on a transmis, les gens sont heureux de leurs racines, voilà, ils sont fiers de leur coin, ont compris, je pense, le message qu'on veut faire passer à travers ce son et lumière, qui est un spectacle de, voilà, enfin, un message d'admiration de ceux qui nous ont précédés. Et bien sûr, pour construire quelque chose demain pour nos jeunes, eh bien, il faut qu'ils soient enracinés et qu'ils soient dans l'admiration de ceux qui nous ont précédés. Donc voilà, moi j'espère construire l'avenir avec ce spectacle. Alors concrètement, comment on s'inscrit ? Eh bien, nous avons un site internet, le site des Nuits d'Aldéarde. On peut aussi nous contacter via Instagram et Facebook pour les plus jeunes. Nous avons 4 soirées à l'été 2024, les 2, 3, 9 et 10 août. Donc 4 soirées. La réservation est obligatoire parce que nous limitons le nombre de personnes. Pour le confort, en fait, de nos spectateurs, parce que les lieux sont grands, mais voilà, on n'a pas des gradins, on n'a pas... Donc, il faut que chacun puisse voir bien. Et donc, il y a 4 soirées, réservation obligatoire par le site. Les prix sont très raisonnables, parce qu'on veut que ça reste accessible à tous, et notamment aux familles nombreuses. 7 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants. Voilà, et le spectacle dure 1 heure et demie. Mais voilà, les réservations sont obligatoires. Sinon, au syndicat d'initiative, l'Office de tourisme d'Airvault, on peut réserver des places aussi. Merci beaucoup, Béatrice. Bon courage. Merci. Et à cet été. Oui. Bonjour François-Régis Legrier. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes auteur d'un livre, Si tu veux la paix, prépare la guerre, essai sur la guerre juste. Donc il y a d'une part un livre et puis d'autre part vous serez un des conférenciers, nous y reviendrons, de la prochaine université d'été de Renaissance catholique. Alors commençons par le début. Quel était l'enseignement traditionnel de l'Église sur la guerre juste ? Eh bien Jean-Pierre, pour répondre à cette question, tout d'abord interrogeons-nous un petit peu sur ce qu'est la guerre et de quoi finalement la guerre est-elle l'expression ? Je dirais deux choses. La guerre est l'expression de deux volontés politiques qui s'affrontent et qui cherchent dans l'épreuve de force ce qu'elles n'ont pas su trouver par la voie diplomatique, à savoir une issue favorable aux différents qui les opposent. Mais la guerre n'est pas que ça, c'est aussi l'expression de ce que Clausewitz, ce fameux penseur prussien du XIXe siècle, appelle l'hostilité émotionnelle, c'est-à-dire chez les peuples un sentiment fort d'en découdre. Et avec le développement notamment des masses médias au XXe siècle et aujourd'hui, ce sentiment est devenu exacerbé et devient en quelque sorte le combustible de la guerre. Alors pour revenir à votre question, la doctrine de la guerre juste s'élabore progressivement au cours des siècles et comprend de façon très schématique deux volets que l'on résume de la façon suivante, le jus in bello, le droit dans la guerre, et le jus ad bellum, le droit de la guerre ou le droit de faire la guerre. Parlons rapidement du jus in bello, qui sera traduit plus tard dans le droit positif avec les conventions de La Haye, et ce que l'on appelle le droit des conflits armés. Ce droit repose sur des principes clairs, issus du christianisme, qui sont les suivants, le principe d'humanité, le principe de distinction, de discrimination, et le principe de proportionnalité. C'est en raison de ces principes que l'on fait la distinction entre les combattants et les non-combattants, entre les objectifs civils et les objectifs militaires. Et donc la partie chrétienne de la guerre juste dans le comment a été traduite dans le droit positif et toujours valable de nos jours, en tout cas dans nos pays, les pays qui ont signé les conventions de La Haye. Voyons l'autre partie, le jus ad bellum, qui a connu un tout autre développement, ce droit de faire la guerre, hein. Et on touche ici à la notion essentielle de guerre juste que saint Thomas d'Aquin a résumé en trois grands principes qui sont l'autorité légitime, la juste cause et l'intention droite. Alors si l'autorité légitime revêt une notion assez objective, la juste cause et l'intention droite sont évidemment beaucoup plus difficiles à discerner et de fait, cette notion de jus ad bellum ne sera jamais véritablement traduite dans le droit positif. Rappelons le contexte rapidement dans lequel s'élabore ce droit, c'est celui du Moyen-Âge, celui d'une violence privée endémique qui fait que l'Église va chercher à limiter et à réguler la guerre et à l'encadrer au maximum, et nous y reviendrons. Alors votre conférence cet été s'intitulera « La guerre moderne change-t-elle les conditions de la guerre juste ?» Pourquoi se poser une telle question? Qu'est-ce qui aurait changé? La guerre moderne, quelles sont les caractéristiques de la guerre moderne? Prenons deux exemples totalement opposés. Vous pouvez avoir d'une part, vous avez par exemple les deux guerres mondiales, bien connues par leur nombre de morts incroyable et les développements, et puis la menace de cette guerre nucléaire propre au XXe siècle. Et puis vous avez un autre phénomène de violence qui est le terrorisme, et qui lui aussi pose et remet en cause quelque part ces principes. Revenons très en arrière, si vous le voulez, revenons sous l'Antiquité. Qu'est-ce qui se passe sous l'Antiquité? Guerre et violence sont intimement mélangées et confondues. Et Fustel de Coulanges, auteur de la Cité antique, a décrit ce mécanisme par lequel l'étranger, celui qui n'appartient pas à votre cité, donc à cette association politique et religieuse qu'est la cité, n'a aucun droit, et il en conclut que la guerre est implacable et que la religion préside à la lutte, excite les combattants, et qu'il n'existe aucune règle supérieure au désir de tuer. Et donc, pour faire court, ces guerres sous l'Antiquité se terminent en général par la destruction complète de la cité ennemie, des soldats, des combattants, mais aussi de la population, du bétail, des récoltes, des murailles, etc. etc. Par bien des aspects, comment dire, le christianisme va chercher à limiter et à réduire et à séparer justement guerre et violence et à canaliser cette violence. Et je donnerai quelques exemples. Le Concile de Charroux, en 989, crée la notion ce concept de distinction entre combattants et non-combattants et dit il faut épargner les innocentes. Voilà. Vous avez ensuite la trêve de Dieu, qui sera à l'an 1000, qui permettra de réguler, de réduire la guerre. Et c'est ce qui fera dire à différents auteurs, et notamment Couteau Begari, professeur de stratégie qui est aujourd'hui décédé, la guerre, sous l'Ancien Régime, était un instrument de régulation des candidats à l'hégémonie. Elle était en quelque sorte contenue. Aujourd'hui, avec l'époque moderne, les deux guerres mondiales, le terrorisme, nous voyons que ce cadre-là a totalement disparu et remet en cause, finalement, ces principes de guerre juste et notamment de distinction entre combattants et non-combattants. Alors, quel est le cadre général de cette université et comment se positionne votre conférence parmi les autres sujets? Alors, le thème général de cette université d'été qui se déroulera du 11 au 14 juillet au Château des Termelles, Touraine, a pour thème « Christianisme et géopolitique ». Et il s'agit de comprendre quel est l'avenir du christianisme dans un monde qui est le nôtre, hein, et que ce même christianisme a contribué à façonner, qui semble lui échapper complètement. Et dans cette thématique générale, donc un certain nombre de conférences, les défis géopolitiques du XXIe siècle, avec le général Lalanne Verdoutic, votre serviteur sur l'évolution de la guerre moderne, mais aussi des réflexions sur la souveraineté, le colonialisme, l'impérialisme, avec Jean-François Chemin, de l'histoire avec 16 siècles d'État catholique de Philippe Conrad, géopolitique du catholicisme contemporain avec Aymeric Choprade, le choc des civilisations avec Jean Desroches, un sujet sur la diplomatie française avec Antoine de Lacoste. Voici les principales thématiques qui seront abordées au cours de cette université d'été. Alors, à qui s'adresse cette université d'été? N'y a-t-il que des conférences? Alors non, d'abord, cette université d'été s'adresse à tous, et en particulier aux jeunes, et aux moins jeunes, hein, mais aux jeunes qui sont soucieux de se former et qui souhaitent comprendre les enjeux qui sont les nôtres, ceux de notre société et de notre époque. Donc ça s'adresse également aux étudiants, aux jeunes pros et aux familles qui sont les bienvenus avec un service de garderie qui permet donc d'assister aux conférences pendant que les enfants sont occupés. Et en plus des conférences, notons qu'il y aura 2 tables rondes, l'une sur la guerre en Ukraine, l'autre sur la guerre au Proche-Orient, et puis des activités culturelles, le tout dans une atmosphère extrêmement sympathique et conviviale. Merci. Alors comment s'inscrire? Eh bien, je crois que le plus simple, c'est d'aller sur le site de Renaissance catholique, hein, toutattaché.fr, et de suivre les indications qui sont données sur ce site internet. Merci beaucoup de ces explications. Donc, on espère retrouver beaucoup de nos téléspectateurs pour écouter votre conférence. Cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. C'est Guillaume de Thiollois qui animera cette émission. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci François-Régis. Merci Jean-Pierre. Merci.